Ok. Bonjour. Excusez-moi, j'avais un petit problème. Elsa Drabo, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Voilà. Ivra Bamba, salut à toi. Jamiliato Derman, salut à toi. Bonjour à toi, mon très cher petit frère Ivra, depuis ta position. Voilà. Chers frères et sœurs, je fais ce direct ce matin pour parler de cette histoire de saisie de l'assurance vie de Soro Guillaume. Moustapha, Moussa Bakayoko, salut à toi. Voilà. Mais il y a un problème qui est inquiétant et dont on doit vraiment se poser des questions. Et donc le Zulu de Bogota, je viens ce matin pour que vous et moi, on parle de cette histoire. Tu vois. Parce que c'est souvent important de se poser certaines questions. Quand certaines situations arrivent à certains niveaux, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on arrive à tout cela? Parce que quand tu parles avec les soroistes et que tu parles avec les militants du RHDP, chacun te dit que Dieu aime la vérité. Comme moi, le Zulu de Bogota, je l'ai dit dans ce direct. J'ai dit Dieu aime la vérité. Si Dieu aime la vérité, et que depuis 2020, quand Soro Guillaume s'est mis dans cette position, c'est lui à chaque fois qu'il se retrouve dans les problèmes. Mettez les cœurs pour protéger le direct. Salut à toi mon très cher jeune frère, merci beaucoup pour ta présence. Dirai Abbas, salut à toi. Merci. Tina Bamba, salut à toi depuis ta position. Donc, moi, le Zulu de Bogota, aujourd'hui, je suis là parce que je veux qu'on parle de cette histoire. Vasiriki Batayoko, Waninu te salue. Mon très cher frère, je salue aussi Waninu. Voilà, parce que quel que soit le temps que le bois va passer sous l'eau, il ne sera jamais caïman. Donc, quel que soit le temps que je ferai loin de la terre de mes ancêtres qui est le Bafing, je reste toujours un fils du Bafing et un digne fils du Bafing. Chers frères et sœurs, il est quand même inquiétant, il est préoccupant. Parce que j'aurais peut-être imaginé tout en 2022, parce qu'on n'est pas encore loin de l'histoire. L'histoire est encore proche de nous. Quand Soro Guillaume en 2019 se séparait du président Ouattara. et qu'il avait commencé à lancer les messages de guerre, les messages d'affrontement sur les réseaux sociaux. Ça me fait aujourd'hui de la peine pour certaines personnes qui pensent que Soro Guillaume, qui tente de dire que Dieu protège Soro Guillaume, que Dieu fasse ça, que Dieu fasse ça. Nous-mêmes, on veut que Dieu le protège. Mais la vérité, est-ce que lui-même, il veut que Dieu le protège? Nous, on veut que Dieu protège Soro Guillaume. Mais est-ce que Soro Guillaume veut que Dieu le protège? Donc, Dieu ne peut pas protéger quelqu'un alors que lui-même, dans la réalité, ne veut pas se protéger. Dieu ne peut pas aider quelqu'un alors que lui-même, dans la réalité, ne veut pas s'aider. Donc, Soro Guillaume est dans une position dans laquelle où il y a vraiment sa place. Mais ce qui est inquiétant dans cette histoire, quelqu'un qui était considéré comme l'un des milliardaires du pays, alors que dans la réalité, personne ne l'a vu travailler en Côte d'Ivoire. Massi Koné, salut à toi. Ibrahim Bamba, salut à toi. Mariam Dosso, salut à toi depuis ta position. Ouattara Aruna, salut à toi. Fatou Sirani, salut à toi, ma très chère petite soeur, depuis ta position. Voilà. Je veux savoir quelque chose. Parce que je considère que quand dans un État, on va s'attaquer à l'assurance vie de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui était considéré comme un milliardaire en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume était considéré comme un milliardaire. Imaginez-vous aujourd'hui que Soro Guillaume doit se battre pour qu'on libère juste une somme de l'argent de l'assurance vie. Ça veut dire que dans la réalité, c'est devenu tellement grave pour lui. C'est devenu tellement compliqué pour lui. Il ne sait même plus à quoi est-ce que s'attacher et qu'il s'est mis dans une position parce qu'il y a un problème. L'assurance vie, là, c'est ton argent, c'est vrai. Mais il y a des contrats que tu signes avec une assurance. Et souvent, c'est des contrats qui font peut-être 5 ans, 10 ans, ça dépend. Mais si le contrat était arrivé à inspiration, on n'aurait pas demandé à Soro Guillaume, on n'aurait pas bloqué l'argent là. Ça veut dire que dans la réalité, si aujourd'hui le dossier sort pour dire que son assurance vie a été bloquée, ça veut dire que le contrat n'est pas arrivé à inspiration et ce monsieur-là, pour pouvoir aujourd'hui se dépanner, décide de mettre fin à ce contrat. Donc quand tu décides de mettre fin à un contrat, qui a une somme colossale, parce qu'on parle de millions, de millions. Ado, le bâtisseur, salut à toi. On parle d'une assurance qui va dans des millions et des millions. Donc, quand on se rend compte que l'assurance vie, qui n'est pas encore arrivée à inspiration, alors que le propriétaire veut rentrer en possession de son argent, l'assurance prend le temps de mener des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi cet homme-là veut aujourd'hui récupérer cet argent? Parce que ce n'est pas une petite somme. Et comme c'est des sommes, c'est des assurances qui travaillent avec des banques, du coup, les enquêtes vont partir pour chercher à comprendre pourquoi cet homme-là veut récupérer cet argent. On va aller chercher qui est cet homme réellement, qui aujourd'hui a investi dans cette assurance qui compte des millions et des millions et qui ne laisse pas aujourd'hui . Donc, il est tout à fait normal aujourd'hui que la vraie question aujourd'hui que nous devons nous poser, c'est que, dans la réalité, financièrement, Soro Guillaume, il est à plat. Parce que, en temps normal, quelques années en arrière, quelqu'un qui était considéré comme un milliardaire ne peut pas venir se battre pour pouvoir récupérer. Ne peut pas venir se battre pour pouvoir récupérer une somme pareille. Ça veut dire que, dans la réalité, avant qu'on arrive sur l'assurance vie de la personne, ça veut dire que dans la réalité, financièrement, la personne a été touchée. Mais donc, quand je vois aujourd'hui certaines personnes, certains soros qui veulent se faire passer pour des victimes, vouloir nous faire croire que Soro est victime. Non, Soro n'est pas victime. Soro n'était pas dans un combat politique avec le président Ouattara. Soro n'était pas dans un combat politique, dans une démarche politique pour arriver au pouvoir avec les urnes. Parce que, après des élections présidentielles, celui qui a gagné, si vous vous rappelez bien, en 2010, quand il y a eu le débat entre le président Ouattara et le président Gbagbo, le discours, il était clair. Au soir du 31, le perdant devait appeler l'autre pour le féliciter. Pour le féliciter de sa victoire. Et ça devait être une salutation amicale, fraternelle. Mais par contre, Soro Guillaume en 2020, qu'est-ce qu'il a dit du président? Il n'a pas dit que je serai candidat et que quand je vais gagner les élections, je vais appeler Ouattara pour lui dire félicitations, le peuple t'a suivi. Soro Guillaume a été clair dans son discours. Il a dit, il prie Dieu pour se réveiller le 31 octobre, nous on prie Dieu pour l'attraper. Ça veut dire que Soro Guillaume n'était pas dans un combat politique. Il n'était pas dans un combat démocratique. Il n'était pas dans une lutte démocratique. Il était tout simplement dans un combat de violation de la Constitution. Donc, quand je vois aujourd'hui des gens qui viennent se faire des prêcheurs et qui veulent venir nous dire que Soro Guillaume est victime. Non, non, non. Soro Guillaume n'a pas été viré du RHDP. C'est Soro Guillaume lui-même qui a décidé de partir du RHDP. Parce qu'il considérait qu'au sein du RHDP, il y avait une dictature. Une dictature dont lui seul était capable d'imaginer et de le savoir. Juste parce qu'il se sentait un homme qui n'allait pas être le choix du président. Du coup, ça devient de la dictature. Mais ce qui est inquiétant dans cette affaire, si aujourd'hui Soro Guillaume se bat pour pouvoir récupérer l'argent de l'assurance vie, ça veut dire que dans la réalité, tous ces comptes bancaires sont bloqués, comme le Zulu de Bogota l'a toujours dit. Oui. Je l'ai toujours dit ici. J'ai dit, tous les comptes de Soro Guillaume sont bloqués. Soro Guillaume aujourd'hui ne peut pas bouger avec une carte de crédit. Aucune banque en France ne va donner une carte bancaire à Soro Guillaume. Soro Guillaume est un fausseur. Mais comme lui-même, laissons le côté même de la politique. Lui-même a toujours dit que s'il est dans le faux, que Dieu ne le pardonne pas. Mais ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, depuis 2020, si Soro Guillaume continue de descendre et de descendre, ça veut dire que Dieu est en train de nous dire dans la réalité que Soro Guillaume était dans le faux. Mettez les cœurs pour protéger le direct, mettez les cœurs. Voilà. Merci, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour protéger le direct. C'est important, c'est important. Mon jeune frère, Ado le bâtisseur, merci, merci, merci. Mettez le cœur et surtout, partagez le direct parce que c'est important. Voilà. Ne laissez pas les ennemis. Mettez le cœur, mettez le cœur. Sédine de Fila, mon très cher petit frère, salut à toi depuis ta position. Mettez les cœurs, comme je vous ai dit, mettez les cœurs pour protéger le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Salif Fangolo, salut à toi depuis ta position. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire tout à l'heure, il y a quelque chose qui est important dans cette histoire. Pourquoi jusqu'après du contraire, c'est Sorodium qui continue de payer? Il continue de payer parce que dans la réalité, Dieu est en train de nous dire que ce monsieur est dans le faux, que ce monsieur n'est pas dans la vérité. Sorodium va continuer de descendre. Il va continuer de descendre parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme qui a profité plus que jamais de tout le monde dans ce qui s'est passé dans ce pays-là, vienne s'asseoir et salir la mémoire de nos parents. On ne peut pas accepter. Même Dieu n'acceptera pas. Même Dieu n'acceptera pas. Ce que Sorodium est en train de payer aujourd'hui, c'est la vengeance de Dieu qu'il est en train de payer. C'est la souffrance de nos parents qu'il est en train de payer. Sorodium est en train de descendre aux enfers. Ne nous pressons pas. Il est en train de descendre aux enfers. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit ici, Sorodium est calme aujourd'hui parce que Sorodium s'est rendu compte. Sorodium n'avait jamais imaginé. Parce que Sorodium connaissait le président Ouattara. Sorodium a décidé de s'attaquer au président Ouattara parce qu'il a dit que le président Ouattara n'est pas mauvais. Voilà pourquoi Sorodium s'est permis de tout faire. C'était ça son objectif. Son objectif réel, c'était ça. L'objectif réel de Sorodium, c'était l'humiliation de nos parents. Sinon, comment se fait-il que Sorodium, toi tu dis que tu t'es battu pour quelqu'un? Parce que tu, selon toi, tu t'es battu pour quelqu'un. Donc, toi, tu es capable de faire tomber cette personne. Parce que c'est le défi que Sorodium nous a lancé. Excusez-moi. Le défi que Sorodium nous a lancé, c'était quoi? Sorodium a lancé un défi. Nous a défiés. Sorodium a voulu effacer notre histoire. Mais je ne peux pas comprendre. Même quand je vois aujourd'hui certaines personnes qui disent que Damana Picasso, il faut l'arrêter. Oui, je suis d'accord. Mais tu veux qu'on arrête Damana Picasso et puis on laisse Sorodium? En 2010, là, le président Ouattara n'était pas au pouvoir. Donc les Damana Picasso étaient dans un combat pour dire non, comme c'est celui qui est au pouvoir, on va le soutenir, on a compris. Mais lui, Sorodium là-haut, il était baboïste. Les Damana Picasso, on peut comprendre, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est des gens qui n'aimaient pas le président Ouattara. Je ne dis même pas seulement politiquement. Ils n'aimaient pas le président Ouattara. Bon, lui qui dit qu'il aime le président Ouattara, ou c'est lui qui dit qu'il va faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil. Je demande ici à mes frères militants du RHDP, faites-moi sortir une vidéo de Damana Picasso de 2000 à 2010 où il a dit qu'il va faire asseoir Ouattara pour lui donner conseil. Faites-moi sortir une vidéo de Charles Blé Goudé où il a dit faites Ouattara, je vais l'arrêter, on va l'arrêter pour lui donner conseil. Montrez-moi cette vidéo. Montrez-moi une vidéo de Damana Picasso de 2000 à 2010 pendant que Laurent Gbagbo était au pouvoir où il a dit qu'il va faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil. Montrez-moi une vidéo de Charles Blé Goudé où il a dit de 2000 à 2010 que le président Ouattara, là, je le connais, c'est impérieux. Que c'est impérieux, je le connais. montrez-moi une vidéo, malgré tout ce qui est en train de se passer dans le pays là aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe. Ça dit, vous savez, je ne dis pas que je vais aller voter Charles Blé Goudé s'il devient candidat en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est vrai, est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'en 2000 en 2010, là, Charles Blé Goudé a soutenu Laurent Gbagbo. Il a dit des choses inacceptables dans le pays. Je suis d'accord. Il a dit des choses inacceptables dans le pays. C'est vrai. Nous tous, on lui a donné tort pour ça. Bon, je te pose une question. Laissons ce qui s'est passé de 2000 à 2010. Depuis que Charles Blé Goudé est sorti de prison, donne-moi une phrase que toi, militant du RHDP, tu peux me dire pour que je m'en prenne. Parce que je le sais, en âme et conscience, chers frères, je vais vous dire, Koné Ben, salut à toi depuis ta position. Boulot Somme, salut à toi. Hamza Eko Eko. Je sais qu'il y a des cyberactivistes soroïstes qui rentrent dans une bosse de certains militants du RHDP et qui trafiquent les gens. En vous trafiquant, c'est une manière de bien vouloir vous parler du président Ouattara. Et quand toi tu entends ça, c'est là maintenant qu'il change de discours. Il se penche maintenant vers les Charles Blé Goudé. Et puis il commence à te dire, mais est-ce que c'est que les Charles Blé Goudé ont fait hier? Est-ce que c'est que les Damana Picasso ont fait hier? Non, ce n'est pas ça le problème. Il faut lui dire, ce que Damana Picasso a fait là, ça a fait des Damana Picasso. Ce que Charles Blé Goudé a fait là, ça a fait de Charles Blé Goudé. Maintenant, lui, ce que Soro Guillaume a fait là, ça a fait de Soro Guillaume. Je ne peux pas comprendre que certains soroïstes trafiquent certains militants du RHDP sous prétexte que Charles Blé Goudé a fait pire. Non, non, non. Non, non, non. C'est comme si tu vas devant un juge, on t'accuse de vol, et puis tu dis non, monsieur le juge, Zulu aussi a volé. Non. Il faut parler d'abord de pour toi. Ce que Zulu a fait, il faut laisser ça. C'est comme si on te dit que tu as violé la Constitution et puis tu dis non, oui c'est vrai, moi j'ai violé, mais il y a d'autres personnes qui ont violé. Mais ça, c'est pas toi ton problème. Non, ça, c'est pas toi ton problème. Les autres qui ont violé, là, de la même manière, toi, tu vas rendre compte devant la justice. Là. Eux aussi vont rendre compte devant la justice. Ce n'est pas parce que l'autre a violé que toi, tu dois violer. Ce n'est pas parce que l'autre a violé que toi, tu dois violer. Ce n'est pas parce que l'autre a violé que toi, tu dois violer. Bon, ce qui est important dans cette histoire, ce qui est important, ce qui résulte vrai, ce qui est la logique, c'est que chacun de nous réponde devant ses responsabilités. Donc, les soroïstes aujourd'hui ne peuvent pas mener un combat pour dire qu'en voulant protéger Sorodium, il faut avancer ce que Charles Blé Goudé a fait ou bien ce que Damana Picasso a fait. Non, ce n'est pas ça le problème. Si nous devons partir même sur ce point de vue, il faut leur poser la question de savoir qu'ils nous fassent sortir une vidéo de Charles Blé Goudé où il a dit qu'il va faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil. Parce que dans tous les combats que Charles Blé Goudé et Damana Picasso ont mené contre le président Ouattara, je le dis haut et fort, ils n'ont jamais mené un combat personnel entre eux et le président Ouattara. Ils ont toujours mené un combat où leur position était de défendre Laurent Gbagbo. Mais ils n'étaient pas rentrés dans une adversité directe. Mais Soro Guillaume est rentré dans une adversité directe avec le président Ouattara, avec nos autorités. Il a défié. Mais prenons tout simplement le fait qu'à chaque fois que le président Ouattara a tenté de nommer un cadre du RHDP, Soro Guillaume est toujours sorti et faire des postes pour ridiculiser cette personne. Prenons seulement l'exemple du vice-président même en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même quand Amadou Gon Coulibaly, que son âme repose en paix, qui est son grand frère, c'est nous faut comme lui, a été nommé comme premier ministre, que son âme repose en paix, Soro Guillaume n'a pas manqué de venir nous dire qu'il a été mon ministre et qu'il était serviable. Quand le vice-président est nommé, il n'a pas manqué de venir dire que le vice-président était son conseiller. Il n'a pas manqué de le dire. Tout ça, c'était pourquoi humilier, pour dire que ce monsieur-là est en train de prendre des personnes aujourd'hui qui ont été à mes ordres. Moustapha Bamba, mon frère, je ne suis pas en train de demander à quelqu'un de pardonner Charles Blé Goudé. Je ne suis pas dans cette logique. Pour moi, je le dis haut et fort, mon frère Moustapha, si tu es vraiment un alassaniste, à partir du moment où le président Ouattara a permis à Charles Blé Goudé de rentrer en Côte d'Ivoire, à partir du moment où tu penses que la seule personne aujourd'hui suspecte, capable de redonner la paix en Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Tu dois travailler dans cette optique. Tu dois travailler dans cette optique. Tu dois travailler dans cette optique. Aimer Charles Blé Goudé et accepter que Charles Blé Goudé rentre dans son pays, c'est deux choses différentes. Je le dis haut fort, je ne suis pas du COGEP, ça ne m'intéresse pas. Je le dis haut fort. Mais ce qui est vrai, c'est vrai. Mais ce qui ne me plaît pas, que quand certaines personnes, pour défendre Soro Guillaume, veulent avancer le fait que Charles Blé Goudé a fait pire, non. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Donc, le problème, il est clair et net. Aujourd'hui, là, ils veulent que le 6 devienne 9. Il n'y a pas de problème. Mais quand le 6 va devenir 9, là, ils vont assumer. Parce que le pays avance, hein. Le pays a dirigé, hein. Le pays a dirigé, hein. Partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Et partagez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs. Koné Ben, merci beaucoup. Voilà. Moi, je le dis haut et fort. Moi, c'est le président Ouattara, sa décision. Vous m'avez vu ici, quand Afingessa est parti avec le président Ouattara, vous m'avez vu critiquer. Je ne critique pas. Parce que je considère que la personne que moi je suis là, c'est le président Ouattara. L'ancien ministre des Affaires étrangères, quand il est retourné après tout ce qui s'est passé, est-ce que vous m'avez vu critiquer? Ce n'est pas mon problème. Je ne critique pas les décisions de mon président. Parce que ici, là, on n'est pas dans une histoire de la décision d'un cadre du RHDP. Mais ici, là, on est dans la décision du président Ouattara. Même si le président Ouattara aujourd'hui considère que Soro Guillaume lui a demandé pardon et qu'il s'est repenti et qu'il a décidé de retourner auprès de lui, il n'y a pas de problème. C'est tout. Moi, ce n'est pas mon problème. À partir de ce moment-là, moi, mon problème avec Soro Guillaume, c'est fini. À partir de ce moment, moi, avec mon problème avec Soro Guillaume, c'est fini. Mouni Savadogo, salut à toi. Mireille Patient, salut à toi. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que moi, je raisonne. Voilà. Ce n'est pas la décision d'un membre du RHDP, non. C'est la décision du président Ouattara d'accepter qu'Afingessa peut faire alliance aujourd'hui avec le RHDP. Pour moi, c'est fini. C'est la décision du président Ouattara que, comment on appelle, Mbabri Touake peut faire alliance avec le président et avec le RHDP. Pour moi, c'est fini. Donc, sur ces trucs-là, je ne parle pas. Quelqu'un qui hier, pendant que nos soldats étaient arrêtés au Mali, laissons même cette histoire de ce qui s'est passé en 2020. Mais pendant que nos soldats sont arrêtés au Mali, Soro Guillaume était en train de travailler. Chers frères, je vous ai dit, Waribana, regardez aujourd'hui quelque chose sur les réseaux sociaux. Franklin Nyamsi a toujours été un défenseur de Soro Guillaume. Il n'a jamais été un défenseur de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ayant compris que c'est gâté dans la main de Sorodium, il ne peut rien, il s'est transformé, il n'est plus devenu... Combien de vidéos aujourd'hui, vous pouvez voir, allez-y regarder la page de Franklin Nyamsi, combien de fois il fait vidéo aujourd'hui pour soutenir Sorodium. Ce n'est plus son problème. Ce n'est plus son problème. Sorodium ne lui est plus utile. Donc, à partir de cet instant-là, c'est terminé. Le combat qu'il est en train de mener aujourd'hui, il est dans un autre combat. Le combat de Sorodium a été mis de côté. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez aujourd'hui le comportement de Franklin Nyamsi. Voilà pourquoi je vous ai dit, faites attention à ces panafricains. Regardez aujourd'hui. Nathalie Yamb a fait livre. Franklin Nyamsi a fait livre. Kémi Séba a fait livre. Les trois là ont fait livre. Mais dites-moi, en toute sincérité, les personnes qui ont fait leur livre là, où ils sont allés établir leurs livres là pour les vendre là, c'est des sociétés africaines, c'est des sociétés européennes. Les mêmes blancs qui combattent là, les mêmes français qu'ils combattent là, c'est les mêmes français là qui sont contactés pour faire livres. Mais les livres qu'ils font là, ils les vendent, c'est pas cadeau. Ils vendent les livres là. Mais quand ils vendent les livres là, le bénéfice là, ça va où? Le bénéfice là, quand ils vont vendre les livres là, quand toi tu vas aller payer un livre de Franklin Nyamsi demain, l'argent là, ça va où? L'argent là, ça va où? Ils sont dans une anarque. Mais c'est parce que les gens n'ont pas encore compris. Mais le vrai problème là, Franklin Nyamsi qui est là, aucun soroïste ne va payer son livre. Aucun soroïste ne va payer son livre. Ils viennent s'asseoir, ils combattent les blancs, ils combattent les français, ils font tout, ils critiquent. Mais après, c'est les mêmes encore qui vont voir les français pour les aider, pour faire un livre, pour défendre l'Afrique. Par contre, on a certains de nos frères africains qui pouvaient contacter. Parce que le livre aujourd'hui Kémi Séba, et puis vous remarquez bien, les trois là ont fait livre. Ils font livre pourquoi? Non, ils font livre pourquoi? Ils n'ont pas dit que le combat là, ça va se passer sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas dit que en Afrique, beaucoup de personnes sont analphabètes, les gens ne sont pas là à l'école. Toi, tu es en train de défendre la cause de certaines personnes dont tu considères qu'ils ne sont pas là à l'école. Et puis tu t'en vas faire livre. Mais attends, tu dis à un peuple qui ne savent pas lire et qui ne sont pas là à l'école, et puis tu fais livre pour leur expliquer le sens de ton combat. Sachant bien que toi-même tu dis qu'ils ne sont pas là à l'école. Salut à toi ma très chère maman, affiche à toi celui depuis ta position. Merci de Paris, salut à toi. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs pour protéger le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez assez de cœurs, mettez assez de cœurs. Que Dieu veille sur toi, ma maman, Afouchata, Silué. Donc, il y a quelque chose qui est bizarre dans le combat qu'ils sont en train de mener. Regardez Kémi Séba. Kémi Séba défend les Africains. Mais est-ce que vous avez vu Kémi Séba organiser des marches au Bénin? Kémi Séba encourage les Sénégalais à marcher au Sénégal. Il encourage les Ivoiriens à marcher en Côte d'Ivoire. Il encourage les Maliens à marcher au Mali. Il encourage les Guinéens à marcher en Guinée. Il encourage les Burkinabés à marcher au Burkina. Mais il n'encourage jamais les Béninois de marcher au Bénin. Et vous remarquez, si vous remarquez bien ce trio-là, regardez bien. Est-ce que vous avez vu Kémi Séba un jour critiquer le Cameroun? Est-ce que vous avez vu Franklin Nyamsi un jour critiquer le Bénin? Est-ce que vous avez vu Franklin Nyamsi un jour critiquer le Bénin? Est-ce que vous avez vu Nathalie Yamb critiquer un jour le Bénin? Mais de vous à moi, le président béninois travaille mieux que le président Ouattara. Il critique le CFA. Il demande aux Ivoiriens de protester contre le CFA. Il demande aux Burkinabés de marcher contre le CFA. Aux Maliens de marcher contre le CFA. Mais a-t-il organisé une marche contre le CFA au Bénin? a-t-il organisé un jour une marche contre le CFA au Bénin? Il ne le fait pas, il ne le fera jamais. Parce qu'il n'est pas dans un vrai combat. Et ils le savent en âme et conscience. Ali Badra, salut à toi mon frère. Mon frère de sang, salut à toi. Oui, c'est mon frère ça, Ali Badra Bamba. Merci beaucoup. Voilà. Saga. Ne te presse pas. Ce qui a commencé là, on est au début du film. C'est ce que les gens doivent comprendre. Quand tu me poses la question de savoir où on va attraper Sorodium, ne te presse pas. Le moment de l'attraper là n'est pas loin, mon frère. Assalamu alaikum à toi, mon très cher frère Moktar Sanogo, depuis ta position. J'ai dit, ne vous pressez pas. De la même manière, Nanguin Feno Koulibaly, salut à toi, mon très cher Senoufo, mon esclave préféré, salut à toi depuis ta position. Je le dis haut et fort, ne vous pressez pas. C'est en train de venir doucement, mais c'est nous, on est pressés. Mais Dieu n'est pas pressé. Dieu agit sûrement et lentement. Dieu agit sûrement et lentement. Ne nous pressons pas. Sorodium, ces militants vont se lever un matin. Et puis, on va leur dire, Sorodium lui-même va faire post sur sa page. Chers frères, j'ai été arrêté aujourd'hui par la police belge, la police française. Je suis actuellement dans un vol direction Abidjan. Sorodium lui-même. Personne d'autre ne va faire le poste. C'est lui-même qui va faire le poste. Et regardez, même les Soros dans leur réalité sont convaincus que Sorodium a atteint sa fin, je vous dis. Parce que quand on parle de l'assurance vie de Sorodium, ils commencent à dire que Dieu protège Sorodium. Mais on est en train de parler de l'assurance vie. Que Dieu protège Sorodium là-haut. À quoi dedans? Hein? Non. On est en train de parler de l'assurance vie. Bon, que Dieu protège Sorodium là-haut. À quoi dedans? Donc, ça veut dire que l'arrestation de Sorodium n'est plus loin. Ça ne sera même pas une arrestation. C'est Sorodium lui-même qui va se livrer. Moktar Sanogo, ah ok, sois béni mon petit depuis Fresnes, salut à toi depuis ta position, ok, merci beaucoup Moktar Sanogo, voilà, donc envoyez-moi un message en inbox et puis après on se prend, voilà, ou bien tu vas sur ma page, tu prends mon numéro, tu m'appelles après, voilà. Ok. Il n'y a pas de problème, mon très cher frère. Ibé, après le direct, je t'appelle. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des réalités qui sont là. Le Soros même doit se poser la question de savoir. Sorodium qui était considéré comme l'un des milliardaires du pays. Si Sorodium aujourd'hui se bat pour avoir les millions de l'assurance vie, ça veut dire que dans la réalité, la situation financière de Sorodium est grave. Ou c'est lui qui nous a trahis en nous disant qu'il avait des milliards, ou bien c'est le président Ouattara qui est fort, qui a bloqué tout. Il y a deux choses. Jusqu'à preuve du contraire, Sorodium nous a fait croire qu'il était un milliardaire. Si 2 ans juste après, il n'est même plus capable, de faire des dépenses, et qu'aujourd'hui, il est en train de se battre pour récupérer l'argent de l'assurance vie, il y a deux choses. Soit, lui-même Sorodium a menti, ou bien c'est le président Ouattara qui est fort. C'est ça qui est la vérité. Ou c'est le président Ouattara qui est fort. Voilà. Et tout le monde sait que la deuxième chose là, c'est le président Ouattara qui a tout bloqué. Voilà. C'est le président Ouattara qui a tout bloqué. Il faudrait qu'il rende compte. Quelqu'un qui a pris près de 2 milliards pour construire un immeuble au plateau. Il a pris près de 2 milliards pour construire un immeuble au plateau. Comment se fait-il aujourd'hui que cette personne se bat en Europe juste pour une somme de moins de 200 millions? Moins de 200 millions, il se bat pour ça. Une somme qui est dédiée à l'assurance vie. Quelqu'un qui aujourd'hui voit son assurance vie bloquée, ça veut dire que dans la réalité, là, si Soro Guillaume continuait de payer tout ce qu'il devait payer par mois, parce que quand tu signes une assurance vie, là, ça veut dire que chaque mois, tu dois payer une somme. Il y a deux choses. Soit il ne payait plus, l'assurance veut savoir pourquoi tu ne payes plus. Si tu es incapable de payer, il faut nous dire pour qu'on fasse le compte, pour que si on doit te remettre ton argent, si on doit annuler l'assurance, on va l'annuler. Ou d'autres choses, lui-même se croyant, se voyant en difficulté, demande de récupérer son argent et l'assurance se rend compte que la somme est trop. Il faut d'abord mener une enquête pour savoir qui est cet homme à qui aujourd'hui notre assurance doit des millions et des millions. C'est ça le vrai problème. Parce que si financièrement Soro Guillaume était posé aujourd'hui, s'il était posé aujourd'hui financièrement, Soro Guillaume, cette histoire d'assurance vie ne serait jamais venue dehors. Oui. Si Soro Guillaume financièrement était posé, cette histoire d'assurance vie ne serait jamais venue dehors. Mais ça vient juste dehors parce que dans la réalité, Soro Guillaume aujourd'hui est en difficulté. Parce qu'il est en difficulté. Et c'est une réalité. On ne peut pas nier cela. Même les soroïs savent qu'on ne peut pas nier cela. Même les soroïs le savent. Voilà. Donc, ne vous pressez pas. Vous avez fini de parler. Vous avez dit trop dans le pays. Donc tout le monde sait, en âme et conscience aujourd'hui, vous allez crier, vous allez parler, mais vous-même vous savez que Soro Guillaume, ça ne va pas chez lui. La raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de cyberactivistes même ont commencé à l'abandonner. Les gens ne font plus vidéo comme ils le faisaient avant, c'est à cause de ça. Parce qu'ils se sont rendus compte de la réalité. Ils savent qu'il ne va pas les amener quelque part. L'échec de Soro Guillaume est palpable aux yeux de tout le monde. L'échec de Soro Guillaume est palpable aux yeux de tout le monde, surtout de ses propres militants. Surtout aux yeux de ses propres militants. Djiboulanti, Netengrela, salut à toi depuis ta position. Merci, merci. Je salue le café de Tengrela. Merci beaucoup et surtout merci de votre soutien. Merci beaucoup. Donc, il y a une réalité qui est là. Vous ne pouvez pas tourner autour du pot. Vous ne pouvez pas tourner autour du pot. Venez expliquer aux Ivoiriens aujourd'hui pourquoi vous n'êtes même plus capable de mobiliser 10 personnes à Paris. Pourquoi Franklin Nyamsi qui parle de Soro Guillaume, quand vous organisez les manifestations, Franklin Nyamsi ne vient pas. Pourquoi Franklin Nyamsi ne vient pas? Vous n'allez pas tout mettre sous la dictature. On vous empêche de marcher en Côte d'Ivoire, on a compris. Mais par contre, au Mali, vous organisez des manifestations, non? Pourquoi en France, vous n'organisez pas? Non, pourquoi en France, vous n'organisez pas? Pourquoi en France, quand vous organisez, vous-même, vous critiquez? Parce que ce n'est pas nous qui vous critiquons. Même vous vous critiquez entre vous. Même vous venez vous asseoir pour parler de l'échec de vos manifestations. Vous allez nous donner la faute à nous. Vous allez nous donner la faute à nous. Si votre leader aujourd'hui est devenu un fugitif, vous allez nous donner la faute. Vous allez nous donner la faute à nous. Si vous avez échoué dans votre politique de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, vous allez nous donner la faute. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. On vous a déjà dit, la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne peut pas être confiée à une personne comme Sorodium. Quelqu'un qui n'est même pas capable. Quelqu'un qui n'est même pas capable d'organiser un mouvement politique. On ne peut pas lui confier la direction de notre pays. Quelqu'un qui n'est même pas capable de mobiliser 20 personnes. Quelqu'un dont son nom ne fait même pas appel à 20 personnes. On ne peut pas confier la destinée de notre pays à ces personnes. On ne peut pas confier la destinée de notre pays à des vagabonds. Parce que le vrai nom de Sorodium, c'est un vagabond, c'est un voyou. Et au-delà de cela, la malédiction qui s'abat sur lui. Parce que toujours est-il qu'aujourd'hui, ce que Sorodium est en train de payer, c'est la malédiction. Quelqu'un qui a tenté de salir la mémoire de nos parents. Humilier la mémoire de nos parents. C'est de cette personne qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zulu de Bogota. Je vous demande de partager le direct, et surtout de continuer de mettre les cœurs, même après le direct visionné, et mettez les cœurs et partagez. Makourani, si c'est salut à toi, ma très chère petite soeur, depuis ta position. C'était votre frère le Zulu de Bogota. Bonne journée à vous, que Dieu bénisse vous et que Dieu vous protège. Merci.